fait est né de ma rencontre avec Antoine Blanc. Nous avons signé chez Imaï, pour la faire courte, en 2005. Nous avons sorti trois singles chez eux. Celui qui a été le plus connu s'appelait In the Sky. C'était une reprise d'Alan Parsons Project, donc ça nous ancrait déjà dans les remixes des années 80. Ce titre s'est classé top 10 des clubs. Un autre titre qui a très bien marché, ça a été notre remix de Kaoma, qui s'appelait Tagomago, qui est sorti en 2008-2009, qui là aussi a été top 10 des clubs, également sur DigiBuzz. Enfin bref, c'est les deux titres qui nous ont vraiment fait connaître en France et également à l'international. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle, pour ses otages. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle, pour ses otages. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle. Au fur et à mesure, on s'est retrouvé à collaborer, à produire des artistes des années 80, donc les Bad Blue, mais également les Fier David, pour lesquels on a fait un album, et puis de plus en plus d'artistes. Ça nous a amené à faire des rencontres et puis à réaliser, à produire un album l'année dernière, en 2011, qui s'appelait The 80s Remix Collection Volume 1, parce que c'est une série album qui est sortie dans une quinzaine de pays en physique et à l'international, ainsi qu'en digital, et qui a connu un certain succès, notamment sur le marché allemand. Il est sorti également en Asie, en Afrique du Sud, en Europe de l'Est, en Russie, donc dans pas mal de pays. C'est un album qui contenait beaucoup de tubes des années 80 qu'on nous avions remixé, entre autres des artistes comme Ryan Paris, Dolce Vita, ou bien David Christie, Sad Love, Tina Charles, I Love to Love, mais aussi Orchestra Manor in the Dark, Depeche Mode. Connection 2012, c'est le même principe avec les artistes français qui nous ont marqué, nous, dans les années 80, et qui ont eu la gentillesse de bien vouloir nous faire confiance et ont participé avec nous à cet album, un album de 12 titres qui sortira donc fin mai et début juin 2012 dans tous les pays francophones et dans le monde entier en digital, dans lequel vous retrouverez bien beaucoup de tubes des années 80 français, tels Bakumba de Jean-Pierre Madère, ou bien encore Il est parti de Phil Barnet, Nuit Sauvage, le grand classique des avions, et le aussi le coup de folie de Thierry Pastor, Gérard Blanc avec Une autre histoire, également des ballades avec Caroline Legrand et sa chanson J'aurais voulu te dire, Patsy avec Liverpool, Luna Parker également avec son classique Tes états d'Amérique. Alors si j'ai accepté de rejoindre le projet, c'est que je connais un peu le travail d'Ames Project, je l'apprécie beaucoup, et puis justement comme c'est une ancienne chanson qui avait en son temps, comment dire, quelques racines un peu dense, je me suis dit que ça pouvait être un bon support pour travailler aujourd'hui. Et puis j'avais envie de voir quelles idées allaient apporter mes amis de mes projets. L'idée, c'est de donner le son actuel, son dance floor pour les titres qui sont dance ou qu'on démarrait dans les clubs, comme le coup de folie par exemple. Respecter également les originaux, l'âme des années 80, ça il faut pas le perdre. Ce qui a été formidable, c'est la participation, l'investissement des artistes des années 80, des artistes originaux. Phil Barnet, Thierry Pastor, Jean-Pierre Madère, Luna Parker, Les Avions, ils ont tous rechanté les morceaux, sauf pour défunt Gérard Blanc, qu'on salue au passage, car c'est un artiste qu'on aime beaucoup, mais qui est également présent sur l'album avec une version assez intéressante d'une autre histoire. Le coup de folie est sorti en 81, ça a commencé à démarrer dans les clubs, il s'est écoulé 30 ans et j'avais envie de revisiter la chanson pour faire redécouvrir à la nouvelle génération le coup de folie. S'allume une autre cigarette. Oh, mais son Walkman.
indémodable. Aujourd'hui, beaucoup de sons qu'on utilise sont issus de synthétiseurs des années 80. C'est le démarrage des synthés, c'est également le démarrage des radios libres. Et on retrouve beaucoup de ces influences dans la musique actuelle. Lady Gaga le montre en permanence. Une grande partie de ses influences, c'est les années 80. Et puis on voit le succès de la tournée RFM Party avec tous les artistes des années 80. D'autres que ceux qui sont sur l'album, certains qui sont également sur l'album. Ils attaquent leur cinquième saison. Il y a un film sur les années 80. Bref, les années 80, ça a marqué beaucoup de monde, c'était très festif, c'était des vraies chansons. Et on a voulu, nous aussi, rendre hommage à ces années qui nous ont bercés, parce qu'on est de cette génération-là. L'idée de réorchestrer Liverpool m'a plu. Et en plus, parce que sur la compilation, on se retrouve des artistes qui sont tous des amis, avec qui on s'entend très bien entre nous. Donc voilà, cette idée m'a plu tout simplement. C'est pour ça que j'ai adhéré au projet. J'ai fait ce qu'il faut et gros. Et sur mon stylo pleure ces mots. Eh oh, pour aller plus haut, eh oh. Quand la vie me saigne, j'ai envie d'assaut la scène trop haut niveau. Pur flow prêt pour le slow, toi et one baby bam, tu me colles à la peau. Ma belle, j'ai vu dans les halls. Des sons sexy me prennent et me saut. Un moment chrome trône, tu m'en sors celle avec ta soul. J'aime la façon de bouger que t'as. Tu m'emmènes de là en haut, de là. J'tiens à moi, tiens à moi, c'est toi et moi. Ma musique à moi. En fait, c'est un honneur pour moi d'être sur l'album avec des artistes des années 80 comme Phil Barnet, Thierry Pastor et Patty, sur des versions qui sont revisitées par les MS Project. Quand la musique est bonne, l'idée m'est venue en fait en écoutant Goldman, puisque c'est une de mes influences. J'ai voulu que l'hip-hop rencontre l'univers de la variété française. Money, $1 million, baby, baby,